وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. السائل, le demandeur, c'est donc tout demandeur. Ici, en premier lieu, le demandeur de science et de guider, aussi le demandeur d'argent. Celui qui vient demander de l'argent pour le visage d'Allah, on ne doit pas le repousser. S'il a besoin, on peut l'aider, on l'aide. Mais si on voit que c'est un trompeur, quelqu'un qui en a fait un commerce, c'est une mafia qui fait travailler des gens pour récupérer l'argent, ou bien que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, c'est une maladie, il est tombé dans la mendicité sans être dans le besoin, alors cette personne-là, on peut la réprimander et la repousser et la rebuter. Donc, ce verset où Allah tabaraka wa ta'ala interdit de repousser et de réprimander le demandeur, n'est pas dans l'absolu. À la base, on ne doit pas le repousser, mais il peut y avoir des cas dans lesquels on le repousse. Naam. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.